Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une nouvelle game de Fortnite et on va essayer d'aller casser quelques culs à Pleasant Park, bien sûr. C'est parti. Et c'est parti. On va essayer de pas se mettre au-dessus d'un bâtiment, comme on a dit, ou au-dessus d'une colline. On va essayer de passer le plus loin possible dans une rue, voilà, pour que notre parachute se déploie le plus tard possible. On pouvait pas faire beaucoup mieux là, je pense. On va essayer de retomber sur le toit d'une maison pour être tranquille. Sauf qu'il y a quelqu'un qui tombe déjà là. Donc finalement, on va aller sur ce toit là. Bon, je cherche pas forcément la confrontation, mon gars. Ah, pas mal. Pas mal. Il a failli me tuer avec le... Je suis quand même mal barré s'il y a quelqu'un qui vient. Bon bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo de Fortnite. Non, je déconne, je vais faire un autre épisode. Mais je vous garderai quand même ce début parce qu'il est quand même sacrément drôle. Allez, à toutes. Mais c'est parti pour la deuxième attaque. Alors, on va aller... Ici. Ici. Ou pas loin. Ou pas loin à côté parce qu'il y a une maison là. Ça peut être bien, on sera pas tout seul dessus, ça c'est certain. On est prêt, on est chaud. On est pile au-dessus, on n'est pas au-dessus d'une colline, ça va, ça va. On y croit, alors est-ce qu'on fait la grange ou la maison? J'ai l'impression que dans la grange il n'y a pas de coffre, de ce que je vois. On va plutôt aller dans la maison. Oh putain, on est passé à travers, la catastrophe. Bon, au moins on a une arme. Aidez-moi s'il vous plaît, je suis un boulet. Oh là 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 là. Touche-moi pas, toi. Merci. Merci, merci, merci. On s'est pas fait avoir, les gars. On a réussi à prendre notre premier kill. Par contre, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans cette maison? Il a déjà fait tout le bas. Reste de l'autre côté. Il n'y a pas de bruit de... Oh, il n'y a personne qui est retombé plus ici. Oh, j'ai flippé ma race avec ce petit truc. Et c'est parti les gars, premier kill. Bon, on va pas utiliser Oh mais il a carré. Oh, j'ai carrément deux trousses. J'utilise pour 10 PV. Un peu débile mais on y va. On était que deux sur cette maison. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Parce que très clairement les petits coins comme ça, c'est des bons petits coins. On va recharger. Et on va partir pour cette maison là cette fois-ci. En espérant que cette fois-ci il n'y ait personne.
On va voir, mais à mon avis, il y a du monde. Hein. S'il y avait du monde à la nôtre, ça voudrait dire que statistiquement, il y a au moins une personne au moins là. Peut-être deux, s'ils connaissent le coin. On fonce, hein. On n'y va pas discrètement. Parce qu'on n'a pas énormément de temps pour explorer, donc on sait pas. Donc c'est un pari. S'il y a personne qui est allé, tant mieux. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être détruit, pas l'air d'être ouvert. Et l'air d'avoir un coffre. Ah, ça c'est pas mal, on a un fusil à pompe maintenant. On a des bandages. À la place de ça, on va prendre des grenades. Et on va ouvrir le coffre. Le coffre. Pas grand chose, hein. Pourquoi je peux pas prendre les munitions, tout ça? Là, ça bug. Impossible. Ah, c'est parce qu'il y avait le truc qui gênait, j'ai l'impression. Est-ce qu'on prend le pistolet mitrailleur à la place de quelque chose? À la place des grenades? Je sais pas, j'hésite. Je crois que j'ai un fusil d'assaut en bas. Bon, j'ai un fusil à pompe qui sert à rien. On va acheter le fusil à pompe. Regardez ça, y a rien d'autre à explorer là, on est d'accord. C'était juste une maison isolée, c'était juste une maison isolée. Dommage, on a pas énormément de choses, on n'a pas d'armes à distance, donc c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Faut continuer d'explorer, je pense, les maisons, les trucs, parce que de toute façon, sans armes, sans un fusil d'assaut, je vois pas ce qu'on peut faire. On aurait pu garder le pistolet mitrailleur, même si je suis pas fan de cette arme, peut-être qu'il y a des gens qui l'apprécient, qui l'aiment bien. Donc voilà. Let's go. Ça n'a pas été exploré, j'ai l'impression ici. Donc tant mieux, on va fermer derrière nous. On sait jamais. Ah! Mon arme préférée. On est content. On va acheter les greux. On jette les greux. On aurait peut-être pu jeter le pistolet mitrailleur. Ah, un nouveau fusil à pompe. On prend les balles. Par contre, il n'y a pas de coffre. Hein. On n'entend rien. On va acheter le pistolet mitrailleur. On va garder les greux. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus malin. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre truc ici. Non, il n'y a pas d'autre truc ici. Allez, c'est parti les gars. Il est temps de finir top 1. Non, je déconne. Il est temps de faire encore 2 ou 3 kills, je pense. Ça serait bien pour la partie. Oh! Jackpot. Bon là je jette les greux. Hein. Désolé mais je garde pas les greux. C'est parti. Maintenant il faut aller dans la zone. Il faut se dépêcher. Bon l'avantage c'est qu'a priori il n'y a pas grand monde qui a pop là. Hein. Normalement si on croise quelqu'un c'est qu'on a vraiment la poisse parce que le mec il a même pas été dans les zones pas loin quoi. Là il y a une maison. Mon avis, c'est exploré, mais on va quand même essayer de checker. Mais le son un petit peu plus fort pour voir. Il y a un mec qui a construit là-bas. Oh, mais c'est pas possible, il a exploré cette maison. Ma gueule, le jeu. Il y aurait des constructions là. Il y a des constructions là et il y aurait personne qui aurait. D'ailleurs, j'ai pas énormément de ressources, hein. Ce serait bien d'en faire. C'est un petit peu con de faire ça, mais. On y va. On est chaud. On m'a dit les arbres c'est bien. On va faire les arbres. On fait quelques arbres et on continue. Je pense qu'il n'y a personne, le mec n'est pas resté non plus à côté d'une maison. Je pense que... Je sais pas comment les gens réagissent, je regarde pas très très peu de gens jouer au jeu. Je sais pas si les gens, dès qu'ils voient la nouvelle zone pop, ils y vont ou ils prennent leur temps justement. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde là-dedans. Et on est quasiment arrivé dans la zone. Donc on fait quoi? On se construit un truc?
Ouais, je pense qu'il faut se construire un truc, hein. C'est plus judicieux, même si on n'a pas 50 milliards de ressources. Hop, c'est parti. Fusil d'assaut, fusil à pompe, comme vous préférez. En tout cas, moi, je vais construire sans doute dès que je suis dans la zone, c'est-à-dire... Je suis pas dans la zone, là, c'est la merde. Là, j'y suis. J'ai un petit peu peur, là je suis un peu plus rassuré. S'il y a des gens qui peuvent m'arriver de là, on check, on fait attention, la prochaine zone est là. On va bien rester au moins 30 secondes histoire d'être sûr de ne pas se faire démolir par un mec venant de plus haut. Alors, on va rester au moins, on va rester un petit peu, histoire d'être safe. Ça peut surtout venir de derrière nous, pas devant, pas trop de devant, je pense. On surveille un peu tous les coins. Je suis prudent, les gars, je suis prudent. On voulait pas. Hop. A priori, il n'y a personne qui va venir par là. J'ai l'impression. Personne. Bon, allez. On se refait du bois. C'est un grand arbre. Ça va donner beaucoup de bois. Ouais. J'ai l'impression que oui. Il y a eu un kill là. Il y a longtemps. On se met au fusil à pompe. Même si je pense pas qu'il y ait encore du monde là. Il y a quoi? Il y a pas grand chose à récupérer là. On est d'accord. À part les bandages. Il y a rien. Allez, on avance. J'ai peur de me faire tirer comme un lapin, mais on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Plutôt que je me prépare à construire, en fait. J'ai l'impression. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a personne derrière, normalement. S'il y a du monde derrière, ça serait assez étonnant. On est plus très très loin de la prochaine zone. Ça tire. Je sais pas trop d'où. Mais ça tire. Ah, je crois voir quelqu'un. Boum. C'est parti. Il a une arme la même que la mienne, donc je vais aller chercher les balles. C'est ce qu'il y a de plus judicieux. Et je sais pas s'il a une arme meilleure que la mienne. Et là, je sais pas si j'ai le temps de regarder toutes les armes. Violette. Violette, donc c'est beaucoup mieux. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a pas le temps. On a pas le temps. Hop, on y est. On est pas encore dans la zone. F1. On y est presque. On va, à mon avis, construire ici. Hop. Bon. On n'est pas très très haut, c'est un peu con, mais... Ça, j'ai jamais fait, donc je vais essayer de me débrouiller pas trop mal là-dessus. Ça c'est pas mal, j'ai jamais fait un étage de plus. C'est pas mal, on a réussi. Hop, je suis dans la zone, c'est bon. Je suis un peu bizarre, mais je suis dans la zone. J'ai l'impression qu'il y a personne.
prochain truc qu'on construit en briques. On avance. Directos. Oh non. Comment il peut me tuer d'une rafale de si loin? Putain, bien joué. Chapeau bas. Bah chapeau. Là, très clairement, je suis abasourdi. Bon, j'ai raté la balle. J'ai raté la balle, mais je suis content. On a réussi à tuer quelqu'un en fusil sniper. Il y a du progrès. On arrive à construire maintenant. My bad de pas avoir, construit dès que je l'ai vu plus tôt. Construire une petite, un petit escalier peut-être dans sa direction, je sais pas. En tout cas, bravo à Angon 2000. En tout cas, il m'a abasourdi, hein, parce que pour arriver à me tuer avec une rafale alors qu'il a pas un fusil sniper, moi j'étais persuadé d'être mort d'un fusil sniper et je vois qu'il a un pistolet mitrailleur tout dégueulasse et qu'il a réussi à me tuer, quoi. Bon, après, j'avais pas de potion bouclier, etc. C'est vrai que je suis surpris parce que d'habitude, à ce level-là du jeu, on a souvent une potion. Bon, lui non plus, il n'en a pas. Donc, bonne chance à Angon 2000 pour cette fin de partie. Donc le joueur, la joueuse française, c'est parti. On est en plein milieu d'une ville. Il reste encore 10 personnes à tuer. Et c'est pas quelqu'un qui a du... Ah si, c'est quand même quelqu'un qui construit parce qu'elle prend des matériaux. On a l'impression que le mec, il a débarqué dans le jeu une heure après les autres parce qu'il a rien. Quoi. Dommage, la balle du fusil sniper qui passe pas. En fait, c'est tir de fusil sniper, ensuite tu construis directement parce que le temps que tu recharges la balle, le mec m'avait vu en plus, j'aurais dû directement reconstruire. Construire. Toujours top 10 pour Angon, top 10 de kill. On est dans la zone, faudrait peut-être construire ici quelque chose. Il y a un mec qui est mort, et sans doute d'un fusil sniper, hein, parce que quand tu vois qu'un mec n'a pas été loot du tout, c'est qu'il a été tué généralement de très très loin. Donc faut se méfier. Après, il a assez de balles pour gagner la partie. Il décide de pas construire pour le moment, Angon. Il va se faire attaquer de tous les côtés. Enfin, il peut se faire attaquer de beaucoup de côtés, là. Moi, je construirai à sa place, hein, pour être plus safe. Parce que ça peut vraiment venir de partout. Et ça accélère du côté de Angon, toujours top 10. C'est marrant, la zone est petite, mais personne se croise. Personne se voit, pour le moment. Attention, ça passe pour Angon. Il n'y a personne. Faut faire attention aux gens qui viennent de derrière. Pendant au moins 30 secondes, hein, parce qu'il y a des mecs qui peuvent rester 10-15 secondes dedans parce qu'ils ont voulu courir qu'à la dernière seconde, donc faut faire attention. Faut pas descendre, hein, faut rester sur le point. Oh, mon petit Angon. Allez, Angon. Allez, Angon, Angon, toujours top 10. On ne voit vraiment personne pour le moment dans cette partie. C'est compliqué pour Angon, ça y est, il voit quelqu'un construire. Le problème... Il y a des dégâts qui sont mis. Il y a un mec qui tire de la gauche. Angon décide d'aller le chercher. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un mec qui tire de gauche. Toi, tu t'es mis complètement à découvert. Non, il y a un kill faisable pour Angon. Angon va-t-il voir la verticalité? Oh putain, la verticalité. La balle qui retombe comme une feuille morte. Faut vraiment tirer largement au-dessus. Hein. Moi, je tirerais pratiquement un mètre au-dessus du bonhomme. Je verrais le bonhomme et je tirerais à peu près à son double, en fait. Un truc comme ça. Oh, il y a un coffre ici. Really? Non, ou c'est une arme, je sais pas. Angon qui décide d'aller dans la zone sans construire une nouvelle fois. Angon qui a une paire de couilles. Grosse comme je sais pas quoi, parce qu'il y a un mec dans la tour ici. Tu l'as vu? Tu l'as vu le mec dans la tour? Tu l'as vu le mec dans la tour? Qu'est-ce que tu fous à découvert comme ça? Qu'est-ce que tu fous à découvert, Angon? Angon, Angon, le joueur français. Le joueur français qui décide d'aller là en la zone. Il y a quelqu'un! Angon, Angon, c'est compliqué, Angon. Ah, pistolet mitrailleur, il est beaucoup plus solide sur cette arme. A priori, Angon aime bien. Ça y est, ça détruit la palissade. Ça en détruit une autre. Le mouvement latéral pour qu'il ne puisse pas toutes les détruire. On se remet en position du côté. Mais il y a un mec en haut de la truc, là, il va te défoncer. Non, il ne voit pas. Ça va le régène à 100%. Ah non, il l'a déjà utilisé.
Oh putain, le mec il construit là. Le mec il construit la. L'Empire State Building là. Le mec à côté. C'est la Tour Infernale 2, le retour. C'est quoi cette balle? C'est le lag? En gros, qui sait pas trop. Qui sait pas trop quoi faire. Il va se soigner pour le moment. Top 7. Top 7 pour Angon. Attention, il y a le mec. Bah oui, le mec que t'as pas tué. Il est toujours là. Angon! Qui sécurise le kill? Angon 2000! Angon 2000 qui sécurise un kill! Bien joué! C'est vraiment son arme fétiche, lui. Hein. Il a. Non, non! Allez, Angon! Allez! Ah non! Angon qui se fait avoir par des School XP! Aïe, 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 c'est le top 5. C'est le top 5 pour Angon. Attention! Alors, ils se font tous abattre les uns derrière les autres. Rien ne peut faire le bandage qui est utilisé. Mais le mec t'a tiré dessus de pas loin. Hein, donc tu vas. Il est pas loin, il est à quelques mètres, à mon avis. Et c'est parti! Le bon vieux coup de fusil à pompe de la part Pete E. Il construit très rapidement autour de lui pour pouvoir aller dropper des munitions, dropper des nouvelles armes. Le fusil sniper. Le fusil sniper. Non, pas de fusil sniper, il en a déjà un a priori. Ou alors il joue pas au fusil sniper. Encore, il a encore une potion pour remonter à 100. Putain, lui, s'il gagne pas, peut désinstaller. Hein. Parce que tous les autres mecs qu'on a croisés, ils n'avaient pas de potion de bouclier. Les potions de bouclier, elles ont disparu du jeu. Il les a toutes récupérées. Le hack ultime, tu sais, à chaque fois que t'es pas à 200, à 100 de popu, à 100 de, d'armure, t'as une potion de bouclier qui pop dans ton inventaire. Sauf que là, malheureusement, Pete. Pete doit bouger. Pete doit bouger. Allez, Pete. Allez, allez, allez. Il reste trois personnes à tuer. Je suis sûr que c'est lui qui a construit la tour infernale. Il y a un mec là, il y a un mec en bas! Oh là 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 là, mais il est glandu de service, mais pourquoi je finis pas top, top 2 moi contre des mecs comme ça? Oh là 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 là. Top 3, top 3. Il va aller chercher les ressources. Il devrait se mettre en pioche, mais. Ah, il a un lance-grenade. Il a un lance-grenade, ça va faire mal. Il a un fusil sniper semi-automatique. Ok. C'est parti. Là, tu ferais mieux de dégager parce que t'es pas en hauteur, donc c'est pas terrible. Attention, attention. Pitié, pitié! Ah, pitié, non! Attention! Oh là là, ça tire de partout! Les deux autres lui tirent dessus! Il est pris entre deux feux! Pity! On a misé sur toi, hein! Les viewers, ils ont misé sur toi, donc tu t'améliores, hein! Oh là là, c'est quoi cet escalier pourri? Oh là là, un siècle! Oh là là, ça se fait toucher dans le dos! Eh, Pity, Pity, Pity! Pity fusil à pompe, il va contourner par l'est, attention! Pity, Pity, Pity! Non, ça contourne aussi de l'autre côté! Ça tire! Ouais, ça tire! Et Pity qui va aller finir son bonhomme! Pity! Pity, oui! Mais non, Pity! Mais non, mais non, mais non! Non, c'est le stress côté Pity, c'est le stress! Le stress a touché Pity! Pity! Pity, Pity qui est stressé! Pity qui veut construire, Pity qui sait pas trop, il y va, il rush, Pity, il croit! Allez! Non! C'est Brack789 qui remporte cette game! Aïe 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 aïe! C'est dommage! Ah là 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 là, on était si proche du top 1 pour Pity! Mais ça ne passe pas! Mais ça ne passe pas! Bien joué à Brack789 qui remporte la partie. Eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la petite séquence au début vous aura fait rigoler et que ma game n'a pas été trop dégueu. Juste malheureusement, bah, on a raté la balle qui aurait pu être salvatrice. Troisième kill.
C'est dommage. On a besoin de travailler ce petit fusil sniper, mais je suis content, j'ai réussi à tuer quelqu'un, donc plutôt cool. Plutôt cool. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode de Fortnite. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à partager pour être gentil, et à mettre un pouce positif. Bah ciao, à la prochaine, salut!